les langues se délient. Depuis l'accident de voiture causé par Pierre Palmade, plusieurs personnalités ont pris la parole. Si est-il le cas du comédien Gilles Alma, qui a parlé du lynchage subi par le comédien de 54 ans au micro de Buzz Télévision. Le vendredi 10 février 2023, Pierre Palmade, sous l'emprise de la drogue et d'autres médicaments, a provoqué un grave accident de la route. Le comédien de 54 ans s'est déporté sur la voie d'Ennefasse, percutant de plein fouet un autre véhicule, avec trois passagers à son bord, dont une jeune femme enceinte de 27 ans, qui a perdu son enfant tant le choc a été violent. L'homme de 38 ans qui conduisait la voiture et son fils de 6 ans, quant à eux, se trouvent toujours dans un état très grave. Mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire, le comédien est décrié de toutes parts. Ses grandes copines de théâtre, Muriel Robin et Michel Larocque, se sont désolidarisées de l'acteur. D'ailleurs, très peu de personnalités ont osé s'exprimer sur cet accident dramatique. Le lundi 20 février, soit 10 jours après le drame, Eddie de Pretto était toutefois sorti du silence sur Twitter. Comme on ne mélange jamais les torchons et les serviettes, merci de ne pas mélanger Gay People avec Palma de Pléaz, avait-il écrit. Un tweet qu'il pensait bienveillant, mais qui s'est retourné contre lui. Certains internautes lui ont reproché d'avoir été très maladroit dans ses propos. Face à cette situation, l'interprète de Kid a donc tenu à réagir à la polémique le mardi 21 février 2023, toujours sur Twitter, « Pour celles et ceux qui seraient passés à côté, je n'ajoute rien sur le dos de Palmade. Je parle précisément de la manière dont les gens et médias amalgament une situation qui n'appartient qu'à lui, et non pas à la communauté tout entière. » Gilles Alma parle d'un lynchage médiatique. Invité du Buzz Télévision ce mercredi 22 février, Gilles Alma a lui aussi réagi à l'accident de Pierre Palmade, en dénonçant le lynchage médiatique que subit le comédien depuis le 10 février dernier. Si est-il un lynchage? Ce qu'il a fait, si est-il horrible? Il y a 600 accidents comme ça par an, un peu plus. Donc là, si est-il Pierre Palmade? Tout le monde s'y colle, a-t-il décrété. Et d'ajouter, si est-il horrible ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que ça mérite ça? Je ne sais pas, s'est-il ensuite demandé. Le comédien de Nos chers voisins sur TF1 a conclu en expliquant que la carrière de Pierre Palmade allait probablement se réduire à peau de chagrin. À moins qu'il revienne dans 10 ans, qu'il ne se drogue plus, qu'il fasse un bouquin, qu'il fasse un one sur comment j'ai tout foutu par terre. Peut-être qu'on le pardonnera à ce moment-là, mais il faudra du temps, a-t-il conclu. Ce samedi 18 février, Michel Bougéna s'exprimait au micro d'Ophélie Meunier sur RTL au sujet de l'avenir de son ami comédien. Je pense qu'il ne peut pas sortir de la situation dans laquelle il s'est mise. La culpabilité chez lui doit être incroyablement forte. Je ne sais pas comment. Si est-il terrible, avait-il expliqué, encore sous le choc.